Bergenton, René Roche, Lionel Jospin, Sandy Duvernay dans sa gauche. Julien Farnier, bravo. Il est où le poste du coup? Alors ben voilà, et ben voilà, c'est parti pour une heure. Une heure de course, une heure pour le 7e cyclotrans de Saint-Laurent, organisé par le sprint avec l'aide précieuse de Homme de Royan Vercors Cross. Alors, il semble que c'est peut-être toujours une Argenton qui était devant. Non. C'est, je prends le coureur de GMC qui est devant, il semble, non? C'est possible le coureur de GMC. Devant, on a un coureur en VTT, maillot rouge. C'est bien ça. Cinquième position, Pierre Roger Latour. Sixième position, le coureur. Becca Damien. Bien connu, le cas Damien qui revient. Revenu sans sa journée, mais il est bien connu. Vous avez été sur le podium du Ronald. Passer notre ami Barrier, passe de Vernet, Grégory, Pascal Grégory, Valentin Ray, Longueville Valentin. Giro Mathieu. Ce Ferroviaire Tour est revenu sur, a priori sur les quatre coureurs qui étaient devant. Légèrement, oui, il a raccroché. Donc on a 22 coureurs qui sont passés. 23 coureurs.
je rappelle qu'il y avait 4 coureurs, c'est peu de gens, Nathalie Tristan, Dujardin Sandy, Sarnier Julien, Jean Tagnonel, un petit peu derrière, une quinzaine de mètres, Pierre Roger Lacour. Canadien seul d'un homme, il va y avoir match, il va y avoir course, ça va être une belle course, les spécialistes me reconnaissent autour de moi. Qui va gagner? Moi j'ai ma petite idée, il y en a qui en ont d'autres. Et voilà, Sandy Dujardin qui sort en tête, second Julien Farnier, troisième position Lionel Jeton, mais tout ça, ça se surveille. Lipani Tristan est parti fort, peut-être trop fort Lipani Tristan. Pierre-Roger Latour revient sur lui. Pierre-Roger Latour, ils vont essayer d'accrocher cette triplette de spécialistes avec Sandy Dujardin, avec Julien Farnier, avec Lionel Jeton. Pierre-Roger Latour essaye de déborder Lipani dans la partie grasse de la course. Ah, il passe à pied, Lipani n'a pas mis pied à terre, mais Pierre est passé devant Dequin qui est là aussi. Grégory Pascal a fait une belle remontée. Et puis un peu plus loin, le coureur de Saint-Clair. Carpani Cédric ou Châtelard David. Allez, c'est moi le tour. Allez, Pierre. Châtelard, bien sûr. Carpani. Allez. Ramon Stéphane est passé. Lionel Jeton qui passe avec 17 secondes de retard, 34 secondes de retard pour Pierre-Roger Latour qui est en quatrième position. Pierre-Roger Latour, 7 tours, Pierre, allez faire. Attention madame en traversant. Cinquième position, on aurait toujours Lipani, hein, bien sûr. Allez, Pierre. Et en sixième position, toujours Jules Sassel. En septième position, Grégory Pascal. Allez, Pierre, c'est bien. Pierre, bien grand, encore plus grand.
Daniel Becca. L'homme qui arrive du triathlon, l'ancien routier. Et puis, bien sûr, on va passer maintenant Carpani, Cédric. Et puis, on passe maintenant le numéro 22, Fala Clément. Passe devant nous le sympathique manager général Michael Disset. Volant Paré. Donc Sandy Dujardin est largement devant maintenant, il a peut-être une petite trentaine de secondes, il fait la course en tête, alors que c'était serré dans les deux premiers tours, maintenant il a pris la dimension de ses concurrents. Sandy, 29 secondes, on me confirme le chronométrage officiel, 29 secondes. Alors que Valentin, on a beaucoup de Valentin en club. Ça fait froid, ça surprend, oui.
il est tombé, il a de la terre sur le côté. Il a dû glisser. Remontez, et puis un peu plus loin. Allez. Carpani Cédric, nous chasse l'arbalite.